Alors, mon meilleur souvenir de bibliothèque, c'était lorsque j'étais enfant. Je revenais des États-Unis et l'anglais avait repris la part sur le français. Et donc, je m'étais inscrite dans une bibliothèque américaine à Paris. Et toutes les semaines, j'allais passer des après-midi là pour prendre des livres, parce que j'adorais lire. Et j'avais beaucoup de mal à rendre les livres. C'était terrible pour moi de revenir là et de rendre les livres. Et il y avait la date derrière en disant qu'il fallait que je le rende pour telle date. Et puis une fois, il y avait un livre que j'ai tellement aimé, dont je suis incapable d'ailleurs de me rappeler du titre aujourd'hui, c'est bizarre. Et j'ai fait quelque chose d'absolument épouvantable, pardon, hein, mais en fait j'ai pris un vieux livre à moi, que j'aimais moins, que j'ai bidouillé en mettant une étiquette qui ressemblait à celle de la bibliothèque américaine, en faisant un travail de faussaire en fait, pour rendre le livre que j'aimais moins et surtout garder le livre que j'aimais tellement et qui est toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque depuis maintenant 40 ans. Donc j'espère que je ne vais pas aller en prison pour ça. Mais en tout cas, j'ai passé des après-midi extraordinaires dans cet endroit, de m'asseoir dans cet univers qui sentait l'odeur des livres. Je m'asseyais là, j'ouvrais un livre et je partais dans un autre monde. Et j'oublierai jamais ça.